banjo en français. Et mon grand, ça te dirait de travailler avec papa aujourd'hui? Oui! Moi et papa, papa et moi, on fait la meilleure équipe. Papa peut réparer n'importe quoi. Papa, papa et moi. Les roues tournent, tournent, tournent. Nous l'avons fait, mon grand. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a par ici? Papa? Moi et papa, papa et moi, on fait la meilleure équipe. Papa peut réparer n'importe quoi. Papa, papa et moi. La voiture fait vroom, vroom, vroom. La voiture fait vroom, vroom, vroom. Réparons ça, toi et moi, en équipe. La voiture fait vroom, vroom, vroom. Oh, oui, voilà, c'est ça. J'adore ça, papa. Et maintenant, vérifions le lave-glace. Je crains qu'il n'y en ait plus, mais nous allons arranger ça. Oh. Moi et papa, papa et moi, on fait la meilleure équipe. Papa peut réparer n'importe quoi. Papa, papa et moi. Les essuie-glaces vont de haut en bas. Les essuie-glaces vont de haut en bas. Réparons ça, toi et moi, en équipe. Les essuie-glaces vont de haut en bas. Papa, regarde. Oh, je vais vérifier ça. Moi et papa. De Charlie fait dans la vie. Il est scientifique. Oui, je suis un scientifique, un scientifique, un scientifique. Oui, je suis un scientifique et voici ce que je fais. Je mélange des éléments, des éléments, des éléments. Je mélange des éléments pour faire avancer la science. Regardons ce que fait le père d'Anita. Il est astronaute. Moi je suis un astronaute, un astronaute, un astronaute. Moi je suis un astronaute et voici ce que je fais. Je voyage dans des navettes, dans des navettes, dans des navettes. Je voyage dans des navettes pour découvrir des planètes. Voyons ce que fait la mère de Jacob.
Elle est vétérinaire. Je suis une vétérinaire, vétérinaire, vétérinaire. Je suis une vétérinaire et voici ce que je fais. Je soigne vos animaux, vos animaux, vos animaux. Je soigne vos animaux, les chiens et les chats aussi. Et maintenant, voyons ce que fait le père de Gwen. Il travaille dans le bâtiment. Je travaille dans le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment. Je travaille dans le bâtiment et voici ce que je fais. Je construis et répare des immeubles et des maisons. Je construis et répare toutes sortes d'habitations. Et voici ce que fait la mère de Sophie. C'est une docteure. Je suis une docteure, une docteure, une docteure. Je suis une docteure, voici ce que... Maintenant, regardons ce que fait le père de Mia. Il est pompier. Oui, je suis un pompier, un pompier, un pompier. Oui, je suis un pompier, voici ce que je fais. Je suis là pour vous sauver, pour vous sauver, pour vous sauver. Je suis là pour vous sauver quand vous êtes en danger. Et voyons ce que fait la mère de Billy. C'est une dentiste. Je suis une dentiste, une dentiste, une dentiste. Je suis une dentiste et voici ce que je fais. Je vais prendre soin de vos dents, soin de vos dents, soin de vos dents. Je vais prendre soin de vos dents, vous garder en bonne santé. Et voici ce que fait le père de bébé Louis. Il est musicien. Oui, je suis un musicien, un musicien, un musicien. Oui, je suis un musicien et voici ce que je fais. Je joue de plein d'instruments, plein d'instruments, plein d'instruments. Je joue de plein d'instruments et tout ça en chantant. Aucun problème. Allons-y! Oui! Tellement de choses à faire à la fête foraine. On s'amuse beaucoup à la fête foraine. Passez la journée à la fête foraine. Des ballons! Oui, moi! Non, non. Il faut que tu te mettes dans la ligne, mon bonhomme. Désolé, ce n'est pas assez grand. Vérifiez notre taille pour notre sécurité. Les signes nous montrent ce qu'il faut faire. Allons voir là-bas si nous serons assez grands pour jouer. Attention mon grand, il te faut un ticket. Nous prenons les
faut donner ton ticket. Les signes nous aident à nous amuser. Tellement de choses à faire à la fête foraine. On s'amuse beaucoup à la fête foraine. Passez la journée à la fête foraine. C'est l'heure du film. Qui veut des pop-corn? Moi! On s'amuse bien. Mais écoutez, c'est la fête. Mais soyons polis. Quand on écoute, on s'amuse bien plus. Oui, c'est l'heure de jouer. Maintenant, lavons-nous. Oh! On s'amuse bien. Mais écoutez, c'est la fête. Mais soyons polis. Quand on écoute, on s'amuse bien plus. Oui, c'est l'heure de jouer. Mais maintenant, c'est mieux, plus de microbes. Maintenant, il faut se coucher. On s'amuse bien. Mais écoutez, c'est la fête. Mais soyons polis. Quand on écoute, on s'amuse bien. De violet. Regarde, rouge et bleu, ça
amusant. Mélanger les couleurs une par une. Mélanger les couleurs, c'est très amusant. Mélanger les couleurs jusqu'à ce qu'on ait terminé. Je n'ai pas de verre. Alors on va en faire. Tous les jaunes savent un du verre. Amusant. Mélanger les couleurs une par une. Mélanger les couleurs, c'est très amusant. Mélanger les couleurs jusqu'à ce qu'on ait terminé. Y'a pas d'orange. Aucun problème. Rouge et jaune, ça donne du orange. Rouge et jaune, ça donne du orange. Rouge et jaune, ça donne du orange. Oui. Mélanger les couleurs, c'est très amusant. Mélanger les couleurs une par une. Mélanger les couleurs, c'est très amusant. Mélanger les couleurs jusqu'à ce qu'on ait terminé. Mélanger les couleurs, c'est trop marrant. C'est l'heure de brosser tes dents, chérie. C'est amusant, c'est l'heure de se brosser les dents, de se brosser les dents. Faisons-le ensemble pour les faire briller. Donc brosse tes dents, c'est l'heure de se brosser les dents. Nos petites dents doivent être très brillantes. Alors brosse comme tu peux le faire tout seul, comme un grand. Non! Mais tu as adoré ça. C'est l'heure de se brosser les dents, de se brosser les dents. Faisons-le ensemble pour les faire briller. Donc brosse tes dents, c'est l'heure de se brosser les dents. Nos petites dents sont aussi brillantes tu en dis maintenant? Non! C'est l'heure de se brosser les dents, de se brosser les dents. Faisons-le ensemble pour les faire briller. Donc brosse tes dents, c'est l'heure de se brosser les dents. Nos petites dents sont très belles. Maintenant, on va le faire ensemble. Non! Bingo! Ah, c'est l'heure de se brosser les dents, de se brosser les dents. Faisons-le ensemble pour les faire briller. Donc brosse tes dents, c'est l'heure de se brosser les dents. Nos petites dents sont en bonne santé.
Ok les enfants, est-ce que ça vous dit d'aller au nouveau magasin de jouets? Vous avez le droit de choisir un jouet chacun. Oui, trop bien. Allons-y. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Mettez vos chaussures, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps ça va prendre? On est trop excités. Est-ce que c'est encore long? On y arrive bientôt. Hé, hey, regarde, le train. Regardez, regardez, le train va passer. Regardez dans les wagons, ce sont des animaux. Wow, il y a des vaches et des moutons. Regarde, bébé Louis. Oui, et des cochons aussi. Coin, coin. Oui. Ces gros bateaux. Et regarde, il y a des petits aussi. Oui. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Hourra, hourra, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps on va mettre? On est trop excités. Est-ce que c'est encore long? Oui, nous y sommes bientôt. Oui, bébé Louis, regarde cette colline. Attention, on grimpe la grosse colline. Regardez autour, notre jolie ville. Regardez, c'est ici. Oui. Regarde, des cerfs-volants, ils volent super haut. Wow, regarde ces jolies couleurs. Léa, bébé Louis, regardez. Le magasin de crème glacée et un magasin de déguisement. À gauche, à droite, il y a tant de choses à voir. Mais regardez le magasin de jouets. Ok bébé Louis, allons voir ce train. J'ai pris un cerf-volant. Il ressemble à une fusée. Vroom. Moi je vais faire des jolis dessins. Mon animal est super.
cherche. Il aime grimper. Regarde. Mon animal est super cool. Le plus cool que tu verras. Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est l'animal le plus cool. Il grimpe des choses très vite. Il grimpe haut, très très haut. J'adore mon animal. Mon animal est super cool. Le plus cool que tu verras. Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est l'animal le plus cool. Bébé, ok bébé, es-tu prêt à voir tes surprises? Des cadeaux! Regarde bébé Louis, c'est le plus gros. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ouvre-le, ouvre-le! Super idée! Allez, viens, bébé Louis! Allons chercher nos jouets préférés! On peut construire une grande ville avec de grandes tours! Ou un château de princesse! Non, non, construisons un grand fort! Oui! Faisons-le de blocs et jouets! Blocs et jouets! Blocs et jouets! Faisons-le de blocs et jouets! Tous ça devrait le faire. Ok, essayons. Petit pour nous trois. Oh. Tu crois? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Oh. Plus de blocs? Youpi! Merci, maman. Tous ensemble, nous construisons, construisons, construisons. Tous ensemble, nous construisons une jolie maison.
vous les enfants. Et une forteresse familiale. Je vais te montrer
toi. Essayons ça. Ici, on vérifie tes yeux et on joue à des jeux. Tu sais ce qu'il faut faire, c'est super. Ici, on vérifie tes yeux et on joue à des jeux. Tu sais ce qu'il faut faire, c'est se faire tout propre. Ok, bébé Louis, on est prêt. D'abord, mettons le bouchon pour remplir le bain d'eau. Mettons le bouchon pour remplir le bain d'eau. Faisons couler l'eau. Regardons monsieur la pieuvre, il sait comment ça marche. Tourne le robinet à gauche et regarde l'eau couler. Je pense qu'on en a assez, bébé Louis. Aide-moi à couper l'eau. Coucou, j'aimerais vous montrer quelque chose. Es-tu prêt, bébé Louis? Maintenant, il faut utiliser le savon. Il faut mouiller le savon avant de se frotter. Ensuite, on fait comme nounours et on lave bien partout. Notre petit ventre, nos bras et nos jambes, tout comme la fée nounours. Tu fais du très bon travail, bébé Louis. Bébé Louis, est-ce que tu as fini? On a une surprise pour toi. As-tu fini de prendre ton bain, bébé Louis? D'abord, on a lavé notre corps avec du savon. Maintenant, on va laver nos cheveux avec du shampoing. Quand je prends mon bain, je dois laver mes cheveux. Je dois faire ça bien et faire très attention. Bonjour monsieur T-Rex, tu peux nous montrer? Quand on lave ses cheveux, on ferme la bouche et les yeux. Allez bébé Louis, ferme ta bouche et tes yeux pour que le shampoing ne rentre pas. Oh, Bingo vient te chercher. As-tu fini de prendre ton bain, bébé Louis? On a lavé notre corps et nos cheveux. Maintenant, il faut bien tout rincer. Si j'étais un poisson, je nagerais pour me rincer. Je resterais sous l'eau pour pouvoir jouer. Pour pouvoir se rincer, on peut prendre une tasse. Laisse couler l'eau sur toi pour bien tout enlever. Ok bébé Louis, on a enlevé tout le savon. Toc toc, es-tu prêt? J'ai une surprise pour toi. As-tu fini de prendre ton bain, bébé Louis? Il a presque fini. D'abord on s'est lavé, ensuite on s'est rincé. Maintenant il faut se sécher. Je vais pouvoir me sécher maintenant que je suis propre. Mais je serai d'abord un fantôme comme à
livre. Regarde, on a décoré ta chambre. Et on a un livre pour te lire une histoire. Waouh, c'est super. C'est l'histoire d'un petit garçon qui adorait l'eau et qui nageait comme un poisson. Au revoir, les enfants. Au revoir. Amusez-vous bien. C'est super d'être ensemble, tous les cinq en famille. Quand on vous entend rire, ça nous rend très heureux. Vos sourires apportent la joie et votre amour nous ravit. Plus on passe de temps ensemble, plus on est heureux. Chou, les bras et tourne. Essaye. On peut travailler ensemble tous les cinq en famille. Plus vous essayerez, meilleur vous deviendrez. Vos sourires apportent de la joie et votre amour nous ravit. Plus vous essayez, plus on est heureux. Maintenant, tu peux jouer. Oui.
ça bien, chérie. Oui. Restez bien ensemble, les enfants. Bonjour bébé Louis, ouvre tes yeux. Tu veux jouer un petit peu? Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ferme tes yeux et ouvre-les. Ouvre la fenêtre bébé Louis pour pouvoir voir cette belle journée. Maintenant fermons vite la fenêtre car il se met à pleuvoir. Ouvre, ferme. Ferme la fenêtre, puis réouvre-la. Est-ce que tu as soif, bébé Louis? Allons chercher ton petit gobelet. Allons au frigo et ouvrons-le. Ouvrons la porte. Regarde, il y a ton petit gobelet. Maintenant, fermons la porte. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Bébé Louis a trouvé son gobelet. Attends, laisse-moi t'aider. Ouvrons le couvercle pour le remplir, puis fermons-le pour ne pas renverser. Ouvrons le couvercle pour le remplir, puis fermons pour ne pas renverser. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre et ferme ton gobelet. Ok bébé Louis, tu as bien compris comment ouvrir et fermer. Maintenant c'est l'heure de la sieste. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ok bébé Louis, allons faire un tour dans la maison. Tiens, regarde la bouche à Bingo. Pour respirer, il ouvre et il ferme la bouche, tu vois? Notre chien Bingo ouvre la bouche pour pouvoir respirer. Notre chien Bingo ouvre la bouche pour pouvoir respirer. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Bingo ouvre et ferme la bouche. Voyons ce que nous avons ici maintenant. Regardons comment fait le poisson. La bouche du poisson s'ouvre et se ferme. S'ouvre et se ferme. S'ouvre et se ferme. La bouche du poisson s'ouvre et se ferme pour pouvoir respirer. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Le petit poisson dans le bocal fait plop, plop, plop. Et voilà mon grand. Ferme tes yeux. Mon frère, c'est mon héros. Mon frère,
Limonade. Ok, le panneau est prêt. Oh, il est beau. Notre kiosque à limonade est super joli. Maintenant, il faut faire la limonade. Limonade. C'est parti. Plein de citrons qui doivent être pressés. Bébé Louis, peux-tu m'en passer, s'il te plaît? Je les tiens fermement dans mes mains. On fait la limonade pour notre kiosque à limonade. C'est pas grave, bébé Louis. Je pense qu'on a assez de jus. Regardez, super! Et maintenant, il faut rajouter l'eau et les glaçons. On a pressé les citrons, maintenant ajoutons les glaçons. Quand il fait chaud, l'eau fraîche, ça fait du bien. Travaillons ensemble en faisant attention. On fait la limonade pour notre kiosque à limonade. Oh! C'est acide, hein? Est-ce que ça va, bébé Louis? La limonade n'est pas encore prête, on doit ajouter un ingrédient important, le sucre. Les citrons sont acides mais on peut les adoucir. On ajoute un peu de sucre, ça donne toujours bon goût. N'utilise pas le sel, ça ne va pas dedans. On sucre la limonade pour notre kiosque à limonade. Waouh, délicieux. Oui, notre limonade est fraîche et sucrée. Tu l'aimes, bébé Louis? Notre limonade est prête. Maintenant, il faut tout amener à notre kiosque. Emmenons la limonade dehors à notre kiosque. Je tire le chariot avec mes deux mains. Attention avec les citrons et avec les gobelets. Limonade, limonade fraîche, sucrée et délicieuse. Limonade, limonade fraîche. On a presque oublié la boîte pour l'argent. Limonade maison, sucrée et délicieuse. Vous ne le regretterez pas. Aujourd'hui il fait chaud, j'aimerais bien une limonade. Une boisson bien fraîche à déguster à l'ombre. Bien joué les enfants, je prendrai bien un verre. Nous nous rafraîchissons grâce à votre limonade. Nous nous rafraîchissons grâce à votre limonade. Elle est vraiment très bonne. Bravo les enfants. Oh oui, tu as raison bébé Louis. Désolé. Hé, regardez, plus de clients. Et coince.
faire notre propre glace arc-en-ciel. Miam, miam, les fruits sont tellement bons. Il faut en manger pour votre santé. Nous pouvons mettre des fruits et les mixer. C'est une bonne façon de tous les goûter. Miam, miam, la presse est de couleur rouge. Les mangues sont de couleur jaune. L'intérieur du kiwi est de couleur vert. Et les belles myrtilles, elles sont bleues. Oh! Mais comment on va faire des glaces avec les fruits? Je suis contente que tu poses la question. Faisons-le ensemble. Aha. Les fraises rouges. La mangue jaune. Le kiwi vert. Les myrtilles bleues. Maintenant, c'est votre tour. Fraises rouges. Mangue jaune. Kiwi vert. Myrtilles bleues. Maintenant, on les met dans le congélateur et on attend. Tous nos bâtonnets de glace sont enfin prêts. C'est le temps de tout manger, miam, miam, miam. J'adore les bâtonnets de glace, c'est rigolo. Maintenant qu'ils sont prêts, nous pouvons les manger. Les bâtonnets de glace sont colorés comme un arc-en-ciel de fruits. Nous mangeons des très bons fruits. Les bâtonnets de glace sont tellement bons. Est-ce que je peux en avoir un, moi aussi?